Yo la rutuf, c'est parti pour l'épisode 7 dans la Staffas, partie 1. Nous y est, nous y voilà, les gars. Nous y voilà. Hey, en vrai, vous savez quoi, les gars? Je pense que j'aurais pu terminer Ragnarok en 2 semaines, si j'avais stream comme ça, là. Si j'avais stream autant de streams que j'ai fait, genre des streams aléatoires, je pense qu'on l'aurait terminé en 2 semaines. Là, c'est vrai que là, j'avais activé le DLSS. Allô? Il est où mes FPS, là? Allô? Chef, FPS. Ouais, je prends les FPS, ils s'affichent pas. Putain. Mon clavier, il marche pas au cours là. Eh, je vais péter un plomb. Eh bah vas-y, hop. On va ouvrir ça là. Excusez-moi la rediff, je reviens. Ouais, la rediff, c'est bon, on a mis les FPS, mais avec ton jeu. En haut, il y a marqué 113 FPS. Qu'est-ce qu'il fait? Allo, allo, chef. Je vais descendre ici là. On va commencer à fouiller ici, les gars. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? De l'eau. Enfin, de l'alcool. Explosif. Ciseaux. Je préfère être à pied pour fouiller en vrai. J'ai peur de rater des trucs importants. On est d'accord que c'est pas la peine de fouiller près des murs, non? Il faut vraiment fouiller dans des endroits genre logiques à fouiller. Mais des fois, ces bâtards, ils mettent des plantes, tout ça, ils cachent des trucs. On voit pas forcément, genre. Voilà, ça a l'air plutôt clean là. Yunga, je ne sais pas, frérot. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure je joue, à vrai dire. Je dirais 23h, les gars. On jouera jusqu'à 23h, après on regardera le film jusqu'à. Ça dure quoi, 1 heure? Les gars, The Marvel, il dure combien de temps? C'est quoi tes armes? J'ai. Bah, je te montre. Voilà, le revolver. Ce gun, il est incroyable. Attends, comment on sélectionne? Attends. Ah voilà. Ce gun, il est incroyable, mais bon, pour le moment, tu sais quoi, je vais prendre celle-là. Vu qu'on est quand même dans un endroit plutôt grand, s'il y a des ennemis, je peux tirer de loin. Celle-là aussi, je vais laisser. J'ai fusil à verrou, d'ailleurs, je vais prendre le fusil. Hop. J'ai l'arc, ouais, bon, pour le moment. J'ai lance-flamme aussi, mais bon. Pour le moment, je les utilise pas trop. Est-ce que je peux construire des trucs? Vas-y, on va faire explosif, vite fait. Ah, attends, on va faire ça. 1. 2. On va faire explosif aussi. 1. Ça, je l'ai déjà amélioré. On va laisser pour le moment. Ta cam, elle bug. Ouais, ma cam, en ce moment, elle a un bug. Je sais pas pourquoi je suis trop sombre. Et moi, ça me dérange que je suis trop sombre. Du coup, je préfère augmenter la luminosité, mais ça fait baisser les FPS de la caméra. Mais c'est pas grave, les gars. À croire, genre, ça gâche le stream. Tant que le son est correct, les gars. Tant que le son est correct, en soi, ma caméra. Est-ce que ça vous dérange tant que ça? En soi. En soi. Soyez normal. Soyez normal. Les gars, ça va revenir, les gars, c'est tout. Ok, je vais fouiller là aussi. Oh, t'es mal là-bas là. Bon, j'imagine que je dois être dans ce gros bâtiment, vu que c'est un gros miroir qui avait parlé le frère de Tommy du coup. Il avait dit si c'est une grosse un miroir géant. Tu peux pas le louper, j'imagine c'est ça. Force au clip. Après, je sais pas si je vais clip le jeu à vrai dire. J'ai tellement tryhard que les clips, là j'ai trop la flemme de faire les clips. Je pense pas que je vais faire des clips de The Last of Us. J'en ai fait quelques-unes mais. M'en bats les couilles en vrai. Je ferai des clips pour Spider-Man, je pense. J'essaierai d'avoir une meilleure cam d'ici là, mais j'ai. Ça a l'air compliqué, guys. Rems, les filles, c'est vraiment des sorcières. Pourquoi Néo? Pourquoi mon frère? Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu ça dans la série Shogun. Les filles, c'est vraiment des sorcières. Encore une fois, ça. Ça me met en accord avec ce que tu viens de dire. Le mec qui. Il se base sur des séries. Ok, là j'ai fouillé, là j'ai fouillé. Okay. Ah là. Yeah, boy. Moi je me concentre sur le jeu et j'écoute, c'est tout. Ouais, voilà, du coup la caméra en soi c'est en vif, on s'en fout. Ok, et de la lumière, et du jus, et du monde. Je pense qu'on a fini de fouiller, les gars. Après, c'est un peu le job de Fnatic, quoi. Les clips? Ouais, c'est vrai, mais bon. Fnatic il se branle en ce moment. Lui il aime bien faire des clips quand je parle, pas des clips de jeu. Après, est-ce que je parle? Non. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire si je parle pas? Si je ne parle plus en stream, les gars. Si il n'y a plus de just chatting avec vous. En soi, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute s'il n'y a plus de just chatting, les gars? Parce qu'en vrai de vrai, est-ce qu'un streamer ne.
ne trouve pas sa... Comment ça s'appelle? Son inspiration grâce au chat. Si le chat est gaze, est-ce que le streamer doit se forcer à trouver des trucs à dire alors que le chat s'en bat les couilles de ce qu'il dit? En soi, non. C'est genre, faut parler du moment même et le chat est intéressant. Eh, Rems, t'as vu ça? Ah ouais, fais voir. Ah bah non. Oh, je suis aigri. Après, c'est vrai que je suis souvent aigri, du coup, je dis, oh non, j'ai pas vu, flemme. J'ai eu une relation avec une fille et t'as capté, elle m'a rendu heureux, elle m'a détruit. Ouais, bon, après ça, frérot, c'est vice-versa. Les hommes détruisent les femmes détruisent les hommes. Ça a toujours été comme ça. Donc, si vraiment t'étais amoureux de ouf et ça t'a vraiment blessé, transforme ça en un truc positif. Genre, motive-toi à faire un truc dans ta vie. Parce que quand t'es vraiment amoureux, vraiment là. Le truc qu'ils disent, l'amour rend aveugle, c'est réel, les gars. Quand t'es vraiment amoureux, tu peux faire des dingueries pour des filles. Mais genre, les hommes, c'est vraiment comme ça. Les hommes, quand ils tombent amoureux, les gars, c'est une grosse dinguerie. Mais le réel amour, hein, pas amour en mode, ouais, je vais la gérer pour la baiser. Non. Il est vraiment amoureux, genre. Le film dure 1h40, c'est grave court. Bah, ça va, on commence à 23h, ça va. Les lives à 5h du mat, le chat était très inspiré, tu parlais beaucoup à ce moment-là. Ouais, mais à 5h du matin, frère. Moi, je te parle au début du stream. Faut que vous êtes actif au début du stream, les gars. Si vous n'êtes pas actif au début du stream, qu'est-ce que je voulais que je fasse? Attends, on est d'accord que. Là-bas, ici, c'est le même endroit, non? Attendez, je vais fouiller un peu à côté de ça, là, mais je pense qu'il n'y a rien, mais je vais quand même aller voir, d'accord, les gars? Hello, la meuf. Chilou, cheval. Ok, je dois ouais, être. ça ressemble à une entrée. Je dois aller là-bas, mais attends, pas maintenant, pas maintenant. Allez, oust. Je sais pas, mais accepte des trucs que j'aurai pas. Oh, d'ailleurs, Paul, j'ai vu comme quoi. Il allait sorcier, il s'est fait niquer sa chaîne à cause d'un point exe, mais le point exe il vient d'un mail en fait. Genre, il a pas téléchargé en cours ou quoi. Genre, il a eu. Il a eu. Comment ça s'appelle? Une OP, mais c'était une fake OP, il a téléchargé, il s'est fait niquer. Je sais pas si Paul il est là. Regarde. Bon. Il y avait rien, les gars, il y avait rien. Allez, c'est bon, je cavale. T'as esquivé mon message. Toujours BML, toujours. Mais t'inquiète pas, Néo, hein, on est tous passés par là. Ah, je pensais qu'il faut que je monte au-dessus, ça a cassé. Bon, c'est pas ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas. Les gars, c'est moi ou attendez, c'est moi ou le titre il est pas mis à jour. Pourquoi Ayman il a dit pourquoi il n'y a pas de film? On continue Last of Us et après React. Oui, il y a marqué les gars, et après. Pourquoi il a dit il n'y a pas de film? 23h? Ouais, je pense hein. Bah demain on est dimanche, non? Demain on est dimanche, non? Demain on est dimanche, non? Oui, voilà. Bah alors, pourquoi vous dormez à 23h, bande de bébés, frère? Arrêtez, les gars. À un moment donné. En plus, à quoi le film, c'est une dinguerie? À quoi vous êtes hypé par le film, là? Ah, ok, faut que je mette là, ok. C'est pour ça, ça l'a cassé, en fait. Bah ouais, ma bite. Ma bite. Le sommeil, c'est important. Mais, tu te réveilles à quelle heure demain? Amen. Parce que si t'as 30 ans, je peux comprendre, tu vois, mais t'as pas 30 ans, t'as 19. T'as 15, je sais pas. Après les films, tu cut, y'a moyen, ouais. Demain, je pars à Paris. Et il faut que j'essaie de dormir tôt pour pas que Madarone, elle m'encule. Parce que les gars, Madarone, en ce moment, vas-y, frère. Elle me trigger de ouf. C'est pas de sa faute, mais quand même, frère, ça y est, genre. Elle veut savoir chaque truc que je fais, qu'est-ce que je mange, à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, tout, tout ce qu'il faut, mais frère, tranquille. Y'a quoi après, elle a peur comme ça? Allez, donne-moi ta main. Ça me démoralise de ouf quand elle fait ça. Elle s'inquiète trop, genre. À croire, je vais me suicider, je vais me couper les veines, je vais manger du porc et tout, genre. Frère, tranquille. Bon, après, c'est vrai que j'appelle pas trop mes parents en ce moment. Enfin, à chaque fois, les appels, ça me démoralise de toute façon. Ça parle de, ouais, t'as fait combien de sous en ce moment? Frérot, quel sous? Pourquoi tu me parles d'argent déjà? Viens, on dit bonjour d'abord. Direct, combien d'argent t'as fait? Laisse tomber, on rentre, viens refaire du chantier. C'est pour ça que je parle jamais avec mon père.
Après, il se dit ouais, prêt, même pas. Toujours business, ça me casse les couilles. 4 heures, je mange, après je reste éveillé parce que j'arrive pas à dormir. Ah, t'arrives pas à redormir, ça c'est un autre sujet. Bah gros, moi ce que j'arrive à ta place, Ayman. Bon, j'avoue, pas déconner non plus, mais... Bon, après, nique pas ton sommeil, c'est vrai, ouais. Bah vas-y, fais ça. Bon. Ah, bonne nuit, tu vois, il y aurait la rediff de dispo. Les gars, est-ce que j'ai raté un... Est-ce que j'ai raté un... Un truc pour construire un... Vous savez, le coffre rouge, là. Oh, là, sont toxiques, mais... En fait, c'est pas toxique, mais vas-y, frère, mon daron, voilà, il... À chaque fois, il veut savoir ce que je fais, dès qu'il... En fait, il connaît pas Internet, c'est-à-dire, dès qu'il... Il se dit, ouais, bah, toi, de toute façon, genre... Sans moi, t'es rien, tu vas jamais gagner ta vie et tout, tu vois, tu serais dans la merde et tout, tu vas mourir de faim, y'a personne qui va te garder, tu crois que la vie, c'est les bisounours. En fait, à chaque fois, il me fait la morale. J'ai bientôt 30 ans, ma gueule. Après, ils me disent, ouais, vas-y, arrête tout ça, arrête tout ce que tu fais sur Internet, reviens au chantier et tout, achète-toi une maison, prends un crédit, marie-toi. C'est des trucs de merde, tu sais, genre, pour être bien en prison de caca, là, dans une vie, vas-y. Trouve-toi une femme, à croire, c'est facile de trouver une femme comme ça, qui t'aime, genre, que tu aimes ta femme, là. Tu vas te marier de force et après toujours il se passe quoi? Il se passe des embrouilles. Salut Opterus. Vas-y frérot, je vais rester un peu sur le stream je pense. Bah, vas-y mon frère. Je connais le chantier, c'est horrible. Au bout d'un moment, ça rend fou. Quand t'aimes pas ton boulot, ouais, je pense que ça peut rendre fou. Est-ce que je peux casser ça à main nue? Non. Moi il fait grave attention à moi, comme si j'avais 8 ans à... Mais dans 2 ans je suis majeur, c'est une dinguerie. Non mais après je préfère ça qu'il me lâche. Oui c'est sûr, mais à un moment genre c'est trop. Bon les gars je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux améliorer, mais je doute que je peux améliorer des trucs. J'ai combien là? J'ai 230, je vais garder je pense hein. Je vais garder je pense. Non, ça je vais garder. Ça je vais garder. Celle-là il m'intéresse énormément, celle-là. Là. Celle-là il one shot, il est incroyable. Mais je peux pas l'améliorer. Bon, je vais garder des sous les gars pour ça, d'accord. Je vais garder des sous pour cette arme-là. Celle-là il y avait quoi à faire. Pareil, je suis criblo. Ok. Hop, ici. Franchement, je pense pas aux Russes. Je pense pas qu'ils sont fiers de moi. Un rechargement, c'est pas intéressant. Ouais, rechargement aussi, ça m'intéresse pas trop en vrai. Quoique, vas-y, hein. Tant qu'on y est, on va le faire. À l'arc, qu'est-ce que j'avais dessus déjà? Est-ce que je peux l'améliorer? Je peux rien améliorer, ça merde. Vas-y, lance-flamme, vas-y, lance-flamme. Allez, baisez-vous, allez. Vas-y, on se casse. Ça ira. Bon, on va voir ce qui se passe, les gars. Je suis pas trop serein dans cette zone-là. Je suis pas très serein. Il y a de la lumière, tout ça et tout, donc il y a forcément des gens qui vivent ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'équiper des armes qui peuvent probablement être fatales d'un coup, genre, et de loin aussi. Et voilà, là je suis bien. Je vais prendre une arme qui tire de loin. Tu vois, et je prends une arme qui peuvent, genre, fusil à pomper, genre. Voilà. Et on va traîner avec le fusil à pompe, je pense. On va voir. Tous les câbles placent ici là. Ça mène où? Ça mène dehors. Ici à quoi? Bon, en vrai ça a l'air plutôt calme. Ouais, aux Russes je pense, ouais. C'est vraiment... Ah bah sur un, bah, vas-y parfait. Oh, en plus, comme par hasard, il m'est resté qu'une seule chance. Parfait. Ah non. Oh les bâtards, ça utilise un sur un net. Ah les chiens. Bon, j'ai pas fabriqué des Russes sur un. À tout moment, on trouve un sur un aussi ici. Ah, bah voilà! Bah voilà, c'est bon!
Maintenant, on peut aller fabriquer, on peut aller améliorer les armes. Ok, nickel. C'est quoi ça, amélioration de quoi ça? Lancer, c'est quoi? Rayon accru des bombes incendiaires. Parfait, merci. Là, parfait. Oui. 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 Oui, là, je suis bien là. Là, je suis bien là. Normalement, oh, c'est bon, ouais, j'ai pris là. La boîte. 75. Santé, ouais. Confection rapide, guérison rapide. Maître du surin. Guérison rapide, confection rapide, je crois. Ah, mais confection à croire. En fait, confection, les gars, moi, ce que je fais pour les confections, c'est que je me prépare avant souvent. Du coup, ça me dérange pas d'être en galère pendant le combat, genre. Parce que souvent, j'ai pas assez pour pouvoir construire plus. De toute manière, genre. J'avais pas fouillé ici, non? Non, je crois pas. Si, j'avais fouillé ici. Putain, à chaque fois quand je parle avec vous, les gars, j'oublie si je suis fouillé ou pas. Ouais. Ok. Pire que l'usine, le chantier. En plus, moi, au chantier, je suis pas juste ouvrier, genre. T'as vu, genre, t'as des responsabilités, tu t'as fait voilà les plats de prince par derrière. Allô? Elle a fait quoi là? Eh oh! Les Lucioles! Wesh, de l'humanité. Elle a ouvert la porte sans que je demande. On ferait mieux de rester discret. Le jeu te force le passage, t'as vu ou pas? Very interesting shows. It's very interesting. C'est quoi la voix là? Quelle voix? Ah, attends. Les gars, j'allais partir sans améliorer mes armes. Je suis un niqué. Ouais, je suis un baiser. Ok. Là, derrière, à droite. Voilà. Maintenant. On se met au travail. Maintenant, la team. Qu'est-ce qu'on fait? Je préfère améliorer, les gars. Cette arme là qui est cheatée, mais j'ai vraiment pas de munitions dessus. J'ai vraiment très peu de munitions dessus. Je vais d'abord améliorer les grosses armes, les gars. Parce que les petites armes, ceux-là là, je pense qu'ils sont déjà bien comme ils sont. Genre, c'est pas la peine d'augmenter de plus. Regardez, je vous montre. Mais en gros, moi ce que je pense, c'est chargé, ça me dérange pas trop. Cadran de tir, à croire, je tire grave rapidement. À chaque fois quand je vise doucement. Et je fais attention à ce quand je tire. Du coup, cadran de tir, ça m'intéresse pas. Ça c'est bon, je vais laisser comme ça, j'ai juste fait en sorte que j'ai plus de munitions dessus. Lui, bon, lui, à part juste améliorer la cadence et le chargement, t'as pas plus de dégâts ou quoi, t'as pas plus de munitions, du coup je m'en bats les couilles en vrai de vrai. Vu que je tire doucement et que la cadence aussi, pareil, je m'en fous. Le chargement aussi, je galère pas trop dessus. Par contre, lui, il me pose problème parce que lui, il a très peu de munitions, d'accord. Il est très important comme arme parce qu'il fait extrêmement mal. Vitesse de chargement, c'est très important parce que tu peux avoir que 2 balles dessus, je crois. Capacité du chargeur, plus 1 à la capacité du magasin, tu vois. D'ailleurs, je suis curieux de savoir comment il peut l'améliorer, le plus 1. Est-ce qu'il va mettre un truc à roulette, je pense. 30, ok. Cadran de tir, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse, les gars. Perforation d'armure. Ça, il m'intéresse. Du coup, ma question est, les gars. Ma question est, est-ce que j'augmente celui-là pour la perforation d'armure ou celui-là pour la perforation d'armure? Parce que j'ai pas une usée. De toute manière, je ne peux pas. D'accord, de toute manière, je ne peux pas. Les balles tirées par l'arme infligent plus de dégâts. Ça, c'est une dinguerie. Ça, je le fais maintenant. Ça, c'est une dinguerie. Je sais pas comment c'est possible. Est-ce que c'est des armes explosives ou quoi? Mais on va le faire. Le jeu, tu kiffes ou pas ces derniers temps? J'ai pas pu être trop sur ta live. Moi j'aime bien, ouais. J'aime bien gros. J'aime beaucoup tuer des gens dans ce jeu, c'est trop satisfaisant. Grossissement, ouais. Capacité du magasin, vas-y. A chaque fois je suis en galère avec 2 balles. Au moins on met 3 balles là, on est bien. Voilà. Grossissement. Ouf, ouais, je vais voir ce que j'ai dans les autres pour voir, les gars. Celle-là, j'avais pas regardé. Le fusil à pompe en arme.
Je vais voir comment je suis dessus. Dispersion. Vous permet de recharger votre arme plus vite, je m'en fous. Le recul, en vrai de vrai, je m'en branle. Capacité du chargeur. Les gars, propagation, c'est intéressant ou pas, en vrai de vrai? J'arrive pas à me rendre compte si c'est intéressant. Propagation. Parce que pour moi, plus ça se propage et moins c'est important. Bah, t'as plus d'aimbot. Enfin, pour moi, plus ça se propage et moins tu fais de dégâts, genre. C'est mieux de centrer tous les balles en un seul point, genre, pour les fumer. Mais capacité du chargeur, je vais l'augmenter. Comme ça, je peux récupérer plus d'armes. Ouais, mais une plus grosse zone, ok. Mais très peu de balles touchent la zone. Comment te dire? Il y a un zombie devant moi. Exemple, là, si je tire 5 balles, 4 balles je touche. Si j'augmente la dispersion, il y aurait 3 balles qui touchent. Parce que les autres, ils vont partir ailleurs, genre. Moi, dans ma tête, je me dis, logiquement, ça fait moins de dégâts. Plus ça se disperse et moins ça fait de dégâts. Mais plus t'es proche, et là, plus ça va faire une grosse zone d'atteinte, genre. Je sais pas. Dans tous les cas, tu vises à côté. T'as raison. Du coup, c'est mieux de tirer avec ça. Ok, attends. Je vais voir les grosses armes. Je vais voir, genre, tirer à l'arc, j'ai quoi dessus. Augmente la portée. Vas-y, la portée, c'est intéressant, quand même. La portée, c'est fait. Voilà. Et maintenant le plus important, les gars. Lui, en vrai, je m'en fous un peu. Je l'ai jamais utilisé, mais est-ce que c'est cheaté? J'en sais rien. Ça, c'est cheaté que quand il y a beaucoup de zones, quand il y a beaucoup de monstres sur moi d'un coup, genre. La portée, 40 dégâts. Rechargement, 60%. Ok. Les gars, peut-être ça, je pourrais faire la portée, mais pas maintenant. Je vais d'abord. Là, il me reste plus que 100. Je vais d'abord améliorer le fusil à pompe, les gars. Ok. Rechargement, ok, portée, je ne peux pas, mais capacité du chargeur, ça je vais le faire. Allez, c'est fini les autres, les gars, c'est fini. Voilà, plus de balles. Là il me reste 60. Il me reste 60 les gars. Sur quoi est-ce que je pourrais l'améliorer les 60? Perforation peut-être? Comme par hasard. On va le garder. On va garder les 60. Pourquoi on n'est jamais des militaires armés de fou quand des jeux comme ça, à la place, on a des flèches et des fusils avec 5 balles qui font 0 dégâts. Voilà, c'est mieux. Bah, le but de ce jeu, c'est genre être réaliste, non? C'est-à-dire que t'es un homme lambda, t'es un mec, lui c'est un charpentier de base. Et genre les armes ça se fait rare, y a plus de munitions, y a plus rien qui se construit. Tu peux pas être fou. Si tu veux être militaire, va dans Days Gone en vrai de vrai. Genre si tu veux tirer 50 000 balles et tout, genre Days Gone. Bon les gars c'est fini, on va continuer. Non moi j'aime bien comme ça le fait que t'es très... Enfin pas faible mais quand même. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Quoi ça? Ce qui s'est passé ici, genre? Allô? Rien d'intéressant. Y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Oh la D. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Oh la D. Oh la D, les gars. Oh la D, les gars. Allô? Bon, ok. Les gars, j'ai mis un mode comment il s'appelle? X-ray. Putain, y a que des bugs, frère. C'est une dingue. En vrai, il est bugué le jeu quand même, n'empêche. Hein, nice du glitch. Attends, fais voir. Est-ce qu'on peut voir les ennemis là? Oh regardez, on peut voir un truc qu'on peut récupérer là, attends. Y'a quoi d'autre? Y'a une porte là-bas. Sortie.
Ah bon, il y a très peu de détails quand même, hein. Vas-y, on continue. Bon. Si Ellie, elle part par là, j'imagine que c'est la mission là-bas. Attends. Laissez-moi fouiller d'abord ici. J'ai peur que ça déclenche une mission et que d'un coup on se retrouve encore une fois tout nu sur un karting et on se fait poursuivre par Godzilla, des trucs comme ça, genre. Parce qu'on a raté. J'ai pas confiance. Je vais d'abord partir par là pour voir. J'allais la fusiller. Ouah, j'allais la fusiller. Oh, laboratoire de fou, Emma. Oh, c'est quoi ça? Lecture. Les infectés ont tué deux autres de nos gardes. Ils vont encore tenir une putain de réunion au sujet de la sécurité du labo. Tout notre équipement est ici. Toutes nos données. Tout le personnel s'est habitué à vivre ici. Bon. Je vais faire d'autres tests, sinon cette incompétence va me rendre complètement fou. Pas lourd. Pas lourd de fou. Attends, je suis venu par là. Ouais, je suis venu par là. Ouais, j'ai des bugs d'affichage, dinguerie. Qu'est-ce que j'ai fait au jeu là? Ouvre-le, ta grand-mère! Vas-y, on se casse. Eh hey Master, tu peux voir le Wisebot qui dit à chaque fois les nombres de joueurs? Tu peux l'enlever s'il te plaît, gros? Sur Wisebot? Hier j'ai essayé, mais j'ai pas trouvé. Ça me casse les couilles, mais à chaque fois ça m'attire l'œil. Wisebot de con là. Parfait, des pilules là, ouais, vas-y, vas-y. Oh non, les gars, Monster il est pas là, les gars. Putain. Monster, ça y est, il a changé. Il joue à LOL. Si? Ah, ok. Master, si je te perds, tu sais que je suis perdu moi aussi. T'es comme mon bijou à la crème. Sans toi, I am nothing, my friend. Bon, allez, on se fait chier, on se casse. Ça n'empêche, cette zone elle est grande, les gars. Aucun cadavre. C'est bon signe, non? Il faut qu'on trouve où ils sont allés. Rem, je kiffe trop ce que tu fais. Sur YouTube, je te remercie, Bike. Tous les mecs qui disent que je kiffe trop ce que tu fais, c'est sur YouTube. Surtout, tu fais de la merde. Je te remercie, Bike ou. Bike ou sèche. Bon, allez, c'est bon. J'ai fait trop de tours là. Pourquoi ici les gars. Voilà, pourquoi ici les gars ils courent plus? Regardez là, ils marchent. C'est bizarre, il y a des endroits genre il veut plus courir, il veut juste marcher. Merci beaucoup Golden, c'est mignon de ta part de dire ça. Tu veux hein? Tu veux hein? Tu veux hein? Tu veux hein?
Doucement, on va d'abord fouiller ici. C'est quoi ça, une lettre? Ouais. Radio de développement fongique dans le cerveau d'un patient. Ok. On va prendre. En fait, il n'y a rien à faire ici, les gars. Des lucioles. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Rem, tu sortiras quand le chapitre 2 de Walking Dead sur YouTube? Pour le moment, j'ai pas du tout filmé, mon frère. Je t'avoue. Peut-être la semaine prochaine, je vais commencer à faire du Boneworks. À chaque fois, du Boneworks, mais j'ai trop la flemme de partir en VR. Il faut que je le fasse en stream. Mais y a pas de date pour le moment, Bike. Y'a pas de date. Et voilà, 4 palettes de matériel sont emballées et prêtes à partir. Maintenant, reste à savoir ce qu'on va faire de vous, les gars. Ils veulent qu'on euthanasie le groupe infecté. Mais vous savez quoi? Qu'ils aillent au diable. C'est vous qui avez fait le plus gros sacrifice dans tout ça. Si quelqu'un mérite de retrouver la liberté, c'est... Hey, tout doux! Ah, merde. Hé, hey, c'est la même voix que... Non. Il m'a mordu. Oh, c'est pas vrai. Oh. C'est la même voix que... Heureusement qu'on n'a pas eu affaire aux singes. C'est la même... Je sais pas où ils sont allés. Je sais, cherchons encore. C'est la même voix que Walter White, vous avez remarqué ou pas? C'est la même voix. Oh non, c'est pas vrai. Juste ça là, c'est Walter White. C'est lui le mec qui est mort? Sans doute. Si vous cherchez les Lucioles, écoutez. Ils sont tous partis. Non, sans blague. Incroyable. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de temps. Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Mais c'est lui, mais... Tu sais où c'est ? 1 milliard de pourcents. Hein. Ouais, je connais la ville. C'est loin ? C'est pas tout près. Enfin, à cheval. Quoi? Les Lucioles? Baisse-toi! Yeah, 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 yeah. Oh, putain, mais c'est qui ces types? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 ils sont où? Yé 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 yé. On a la pute, toi. On a la pute, toi aussi. Y'a pas de souci. Yes, 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 yes. Yes, Bobby. Motherfucking daddy. Yeah, baby.
Je peux pas croire qu'il est seul. Peut-être que la bombe, il a tué vraiment plusieurs personnes. Je ne suis pas encore sûr de moi. Et lui. Faut du ciseau pour améliorer ça. Parce que l'autre... Ah, one shot, il est fini, genre. Ok. Bon, bah, on va continuer comme ça, hein. On va continuer comme ça. Imagine ça la percé, le foie ou quoi, les trucs comme ça, genre. Oh oh. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Allez. Elle est forte, Ellie. Il va falloir que tu me tires. Okay. T'es mal, la vision elle devient bizarre, elle devient sombre. 2, 3. Ah. Dans le cul. Monte sur ce putain de cheval. J'ai que le revolver, les gars. Je vois personne. Allons-y. Je peux même pas écouter, je peux rien faire, je peux tirer. Non, c'est trop une dinguerie de marcher comme ça. Joël, tu vas bien? Ça va. Ça va. Tu gères la fenêtre? Ouais. Ok. Je vais tomber, c'est sûr, je vais tomber. Aïe, 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 aïe. Allez, bouge! Merde. Je vous vois. Allez. Bon. Reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes potes que t'as descendu, enfoiré. Sors de là. Tant que tu veux plus mal. C'est incroyable, les gars, la scène. Putain. Merde.
Il faut qu'on te fasse sortir. Fais-moi le sang sur Ellie, fais-moi. Je vais bien. Tu vas pas bien, Joël. Allez, viens. Elle commence à tirer sur des mecs normaux, gros, sans aucune remords, genre, enfin... Dépêche-toi. Est-ce que je pisse le sang? Non, ça va. Il y a personne. Dépêche. Tu t'en sors bien. Continue. Vers les doubles portes. Oh non. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher? Oui. Alors marche, merde. Allez. Voilà la sortie. Ah mais ce jeu, c'est... les gars, ce jeu est banger hein, quand même. Genre vraiment, comment c'est Ever, on a pas... Si c'est Ever, il a pas de goût ma gueule, c'est un Gaulmont. Hey. Hey Joël. Derrière toi. Quoi? Elle est... Comment elle a fait? Waouh, 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 waouh. Merde, merde. Petite ordure. Non. Il rigole, hein. Tu rêves. La vision qui... Non, c'est trop bien fait, frère. Je vais ouvrir. Allez. Les gars, vous voyez comment il est blessé, comment il marche, là? Bah, je vois exactement pareil. Si jamais ce jeu est en ligne... Ellie, il est trop forte, putain. Eh, hey, comment j'ai. Hey, à chaque fois je pense à la douleur qu'il doit avoir là, ça me casse les couilles. Il neige. Je crois que c'est bon. Joël? Joël! Merde! Joël! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi! Dis-moi quoi faire! Allez, tu dois te relever, Joël. Eh, la musique. Non, ce jeu, les gars, ce jeu il est incroyable. Ce jeu il est incroyable. Tu vois, tu peux avoir plus de sentiments, plus de sensations, plus d'émotions sur ça que sur God of War. God of War c'est très bien, hein. Mais comment vous pouvez dire que God of War est meilleur que ça en termes d'émotions? C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Mieux que God of War, franchement, c'est plus mon type de jeu, Andrei. Yeah. Ça durera pas très longtemps. C'est les séquences gameplay de Ellie, comme Atreus. Tu lui ferais peur. Ouais. On part à la chasse, les gars. On part à la chasse. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé. Ah, c'est pas d'autres armes, ok. Un incredible. Yeah, il est là, il est là. Eh. Bon, il est parti loin. Est-ce qu'avec elle, je dois fouiller? C'est quoi ces bruits? C'est l'arbre qui fait du bruit. L'arbre nous parle. T'as fait le truc du hier? C'est quoi le truc du hier? Les mods? Les gars, j'ai une question, les gars. Oh.
Les gars, j'ai une question. Est-ce que je dois fouiller ou pas? Sinon, je vais directement faire le tuer le cerf. Vas-y, bah je vais aller fumer le cerf. Ne bouge pas. Je vais partir en hauteur. Comme ça, la flèche, quand il va tomber, bah il tombe plus facilement sur lui. Au lieu de pré-shot le tombage. Ok, il est en face. Tu vois, genre, encore une fois, les gars, si jamais on avait un jeu en ligne de survie, un jeu MMO survie réaliste, genre, je vois bien, genre, des joueurs qui sont n'importe où ailleurs dans la map. Il y en a, ils sont dans les montagnes ou quoi. Il y en a, ils sont dans leur maison, qui commencent à fabriquer leur maison, à looter ou quoi. Et il y en a un d'entre nous qui part chasser, tu vois. Il est là, genre, tout seul, dans son coin. Il n'y a personne qui lui parle. Il arrive, il s'approche comme ça. Tu sais, c'est en ligne, genre, tu sais que tu vas rapporter ça. Le multi de The Last of Us. Non mais moi je vous parle d'un multi survivor les gars, mais en mode réaliste, mouvement bien fait, pas des trucs où on casse comme un con et ça tombe même bas, ça vient directement dans notre poche, tu vois, genre un jeu un peu plus dur. Bon, là on va voir si on peut. Elle bouge trop, hein. Dommage. Je dois être plus discrète. J'ai les fesses limitées, non? Ok, parfait. Oh, j'aime bien comment elle court, elle. Wow, c'est trop stylé comment elle court. Elle est beaucoup plus... Elle est beaucoup plus maniable que Joël. Elle est magnifique. Eh, dites-moi que dans le 2, c'est pareil, s'il vous plaît. Dommage, on peut pas sauter comme Atreus. Ah, je peux récupérer mes flèches? Ah ouais. Ah, j'en ai pas illimité, d'accord. C'est exactement comme Green Hell. Hey gros, craque tension. Depuis tout à l'heure, depuis hier avant-hier, tu me parles de Green Hell. Je veux voir une vidéo. Si il est gay, je vais t'enculer. Parce que je me dis, c'est exactement comme Green Hell. Dans le mieux, c'est dans le 2, c'est mieux. Ok, parfait. T'as dit. Vas-y, T'as dû le résumé de Green Hell, vas-y, attends. Je connais pas ce jeu, dis-moi c'est comment. Je vais me faire une image directe. Ce sera plus simple. Voilà. Voilà, crack tension, t'es à l'ouest ma gueule, je vais rien dire mais t'es à l'ouest. Je te parle d'un jeu troisième personne, tout ça, réaliste et tout, et la neige, les vêtements qui bougent, des trucs comme ça. Tu montes un truc première personne, c'est vu et revu, frère. T'as vu, c'est là que ça se voit que t'as 15 ans. Pardon pour les mecs qui ont 15 ans. Mais les gars, à un moment donné, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah, ok. En fait, je pensais que... Ok. Je vais lever la plus haut pour la prochaine fois. Bon, en mode un truc de survie à la Red Dead. Bah là, c'est pas du tout Red Dead, là, mon gars. Là, je le touche. La vue de ma mère, là, je le touche, là. Je suis vraiment une pute. Des cils de reticule alternatifs sont... Attends. Voyons voir. Ouais, mais pour tirer à l'arc, c'est comment? Ah là. Mais merci, putain, classique. Bah ouais, on se fait chier comme un con, là. Il est où, ma flèche? Bon, je l'ai perdu de vue, la flèche. Voilà, mais là, c'est mieux. Des sortes de God of War, tu parles. Il est où, la vis?
Vous le voyez? Ah, il est en face là-bas. Parfait. Il est beaucoup trop loin là, actuellement. Je vais m'approcher, C'est pour les nuls. Ah bah je préfère garder ça que l'autre. Après c'est vrai que tirer à l'arc c'est pas évident dans ce jeu. C'est... Merde, les gars, vous parlez trop fort, les gars. Arrêtez de me déranger, allez-y. Eh, venez, venez en focus là. Là, vous me dérangez là. Vous parlez trop fort, les frères. Mon gros cul là, il me regarde. Mais il est chiant. Il est un peu trop intelligent. Il me voit pas. Là, c'est impossible qu'il me voit, ce fils de pute. Allez, t'as vers la pute. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi l'avoir à mon niveau. Le voilà. En face là-bas. Il est blessé. Elle aussi, là, arrête de bouger. Qui bouge comme ça avec une tire à l'arc, frère? Personne. Mais personne bouge comme ça. Je t'ai eu. Merde, il est rapide. Ne bouge pas. Salope, il est parti long quand même. Il pisse le sang, va mourir frère. Jamais venu ici. Oh c'est trop stylé les arbres qui bougent comme ça. Allô? What the fuck? C'est quoi cet endroit? C'est quoi cet endroit? Cet endroit, ça me fait grave penser à un endroit dans Days Gone avec grave des zombies, genre les hordes. Je dois fouiller avec elle aussi. Merde. Les gars, full loot, full loot. Génial. Tu vas faire quel jeu après le de Last of Us 2? Déjà après ce jeu là, je vais faire Spider-Man 2 déjà. J'ai pas envie d'enchaîner deux fois The Last of Us. Et après The Last of Us 2, les gars, on fait quoi à votre avis? Est-ce qu'on ferait pas Ghost of Tsushima qui sort sur PC les frères?
Uncharted, c'est trop long. Ah, bah il est mort. Ah, bah cinématique. Hogwarts, vas-y, Hogwarts. Qui est là? Montrez-vous. Salut. On veut juste te parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants. Et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Waouh. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Lui, il s'est dit, mais patron, mais on peut la tuer tellement facilement, qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Éclater Hogwarts. Ouais, mais moi j'aime bien Hogwarts. Enfin, j'aime bien l'univers. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Putain, c'est une bosse comme elle gère. Ça va peser combien ça? 200 kilos? Voilà. 150? 80? Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Eh merde. Yo yo yo, comment ça? Il avait un gun, fils de pute. Vous aviez une autre arme? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Yo 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 yo. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'il ne le trouve pas. Défends les fenêtres. Ok. Bien visé, petite. Oui. Ah bah ça se voit que c'est pas... C'est là, ça se voit que c'est pas Joël, hein. Oh le bug. Tu plaisantais pas? T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Donne-moi un coup de main. Allez, allez. Arrêtez, arrêtez. Yow. Infectés de ce côté. Ils sont un paquet. Ils ont dû te suivre. C'est peut-être qu'ils nous ont suivis. Peu importe. On est coincés. T'arrêtes pas, petite.
quitte. Ouais, comment j'ai eu tout ça comme munition là? Tant pis, on doit quitter cette pièce. Incroyable! C'est incroyable! Vas-y, je vais les retenir. Surveille l'escalier. Et vite. Vous savez où vous allez? J'ai jamais mis les pieds ici. Super. Belle trouvaille. Est-ce qu'on a du temps ou pas? La voie est libre. Par ici. Je suis là. Mais je peux pas monter, sa mère. Oh, c'est trop une dinguerie. Tu tiens le coup? Ne vous en faites pas pour moi. Il s'est pris une bonne. Hein. Tu relances un live après pour la rediff? J'ai raté le début du live. Y'a pas de rediff à dispo encore? Putain. Okay. T'éloigne pas. Fais attention. Yui. Ah là là. Hé hey, petite, ça va bien? Ça va. Du caca. Sors de là! Bah ouais. Ah, il est à mon niveau lui. Mais les gars, j'ai appuyé sur triangle. Sur la vie de ma mère, j'ai appuyé sur triangle. C'est quoi le jeu de Gaulmont là? Vas-y, flemme de faire en mode skinny là. Sneaky là. Sticky là. De toute façon, j'ai 15 000 balles, frère. A chaque fois, je peux recharger mes balles là comme il faut. Ah, j'ai une autre arme. Là. C'est quoi ça en dessous, les gars? Mais c'est quoi cet endroit? Ouais, go, ok. Non, j'ai rien dit sur côté fort. Ah, à part que ça pue sa mère que c'était surcoté. Ouais, mais bon, après ça, tout le monde le sait, hein. Allô, chef! Les gars, je me tire par où là? Vous êtes là. Allez, la porte est par là. C'est quoi ce gun qui one shot le claqueur là? On y était presque. On doit aller là-haut. Là, on peut utiliser cette échelle. Bah, vas-y.
Ah, c'est à moi de le faire. Bah vas-y. Mon gars, tu me fais monter là. Hey, venez, soulevez-moi. Ok, prête. Mm-hmm. Allez. Ok, c'est, dépêche-toi. C'est si gentiment demandé, les gars. Je sais. Les marches aussi, fils de pute. Merci. Comment ça se passe là-haut? Tu t'en sors? Ouais, c'est bon. Intéressant. Ok. Ok. Et voilà. Oh, c'est stylé. Attention. Allez. Je sais pas pourquoi, les gars, je le sens pas. Ah, ça va. Viens, petite. Par cette porte. Ma bite. Ça va se casser. Il faut qu'on sorte d'ici. Non, sans blague. Surveille un peu ton langage. Ok, grand-père. Où est-ce qu'ils sont? Qui crie? Comment ça? Pourquoi vous êtes mort une fois? Pourquoi il se passe quoi ici? Non, ne me dites pas une expression dinguerie. On va se faire attaquer 100%. Non, les gars, j'ai peur. Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Oh non. Je cherchais justement ces garçons. Oh merde. Peu importe. Récupère leurs armes. Je vais chercher une sortie. Oh merde. Regarde si tu vois des choses utiles. Regardez, les gars. C'est un cul-de-sac. Comment ils s'y retrouvaient dans ce bâtiment? Qu'est-ce qu'on fait, du coup? On les repousse. On n'a pas d'autre choix. Mourir. Non. Comment ça, les repousse? C'est-à-dire quoi? Prépare-toi. Thank you.
Ah, elle me fait mal comme ça, d'accord. Il est lent lui. Putain! Il y avait un cocktail là normalement là. Ils arrivent. Ils sont combien au juste? J'en ai aucune idée. Allez, t'arrête pas. J'arrive pas à prendre les munitions. Ah, parfait. Que des headshots dans le colosse, hein. Que des headshots. Hé, hey, petite. Ouais. Tu sais, je crois qu'on a réussi. On les a tous butés. Tu devrais plutôt être contente. J'ai du mal à y croire. Je vais voir le pont. Parfait. Oh, le colosse, les gars, y'a pas le choix, hein, les gars. Le colosse, faut faire full headshot, sinon il va rester 15 000 balles. Ouh, putain, c'était chaud. T'étais en normal, Lincoln? Pas d'infecté. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Ah ouais, pour le colosse, les molotovs sont efficaces, d'accord, ok. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois, je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Ouais. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille.
Tu vois? Tout arrive pour une raison. Allez. Tue-le. Te fâche pas. Tue-le, tue-le. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser faire. Baisse ton arme. Oh la dinguerie. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Gros, à la place, j'aurais tué le mec armé. Ensuite, je recharge les vitres, j'aurais couru quelque part ou quoi, tu vois. Et j'aurais tué l'autre directement. Genre, frère, tout de suite. Merci. Ils sont trop dangereux, ça se voit. Non, fallait les buter, c'était un mauvais plan de les laisser. Tirons-nous d'ici. Elle a un lapin à côté, on dirait The Witcher, les trophées là, on dirait The Witcher. Les trophées quand tu tues. Les gars, est-ce que dans la série Joel il se blessait comme ça? J'ai oublié, j'arrive pas à m'en rappeler. Joel? Oui. Tout à l'heure, j'ai de mon souvenir, j'arrive pas à m'en rappeler. J'ai pas trouvé grand chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus hardcore dans le jeu que dans la série. Dans la série, si j'ai aucun souvenir, ça veut dire que c'était trop rapide. Resident Evil, non, jamais. Et voilà. Désolé. C'est bon. C'est fini. Genre, imagine si on avait un Kratos qui était blessé comme ça et on voit Atreus qui fait tout pour le soigner, tu vois, avec la magie ou quoi. Mais vas-y, dans God of War, tout est facile, frère. Arrêchne ! Il y a un portail qui s'ouvre, des trucs comme ça. Genre, tout est trop facile dans God of War. Du coup, t'as aucun impact. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ils sont combien? Ils sont 3? Oh, merde. Ah merde, ils sont plus que 3. Ils m'ont suivi. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Grog, c'est pour te forger, mon frère. C'est pour que tu deviennes plus fort. C'est pour ça que je parle comme ça de God of War. Conne, frère. Ramène ton cul. Qu'est-ce que t'attends? Bute là. Mais David a dit. On s'en bat. Bute la main. Bon bah on se casse. Ah ils sont 4. 4, 5, 6. Yeah. Non mais ils sont 1 milliard, d'accord. J'avais aucune chance. Clairement. Heureusement que ça n'a pas visé. Ils puent leur mère, c'est trop grave. Venez me chercher, bande d'enfoirés.
Ouais, là c'est grave par contre. Oh. Abigail est mort. En bas. Elle court vers les baraques. Intéressant, intéressant, intéressant. Y'a rien en fait, y'a rien ici. Ok, pour le moment je suis tranquille ici. J'imagine que les ennemis vont venir plus avant, plus il y aura des ennemis, je pense. James m'a dit que c'était la fille de l'université. Combien de nos hommes ont été tués là-bas? Oh merde. Je savais pas que c'était elle. David peut aller se faire foutre. Prends pas de risque avec elle. Les gars, je me demande si... si le flingue peut perforer vraiment la tuer deux hommes. David a dit qu'il la voulait vivante. C'est pas à lui d'en décider. James m'a dit que c'était la fille de l'université. Non. Ok. Je voulais juste pour voir si ça peut perforer plusieurs corps, mais malheureusement non. Ok, ok. Oh. On va vraiment la tuer? David a dit qu'il la voulait vivante. C'est pas à lui d'en décider. James m'a dit que c'était la fille de l'université. Combien de nos hommes ont été tués là-bas? Oh merde. Je savais pas que c'était elle. David peut aller se faire foutre. Je prends pas de risque avec elle. Je veux juste en finir et rentrer. Je me gêne. Oh merde. Quoi? Déployez-vous. Enfoiré! Wesh Nist, bien. Oh non. Je suis un peu focus là, je t'avoue Nist, dans ma gueule. Benim Kedim, mais comment ça mon chat? Comment ça mon chat? Mon petit chaton à la crème, tu veux dire? J'aime bien, j'aime bien. Du coup, toi, t'es mon gros chat, du coup. C'est ça. Elle a même pas essayé
de dire n'importe quoi et tout. Où est-ce qu'ils sont? Bon, je vais où? La flèche, la flèche, prends la flèche. Mais j'ai vu une flèche là. Attends, je suis fou peut-être. Allez. Il va me baiser lui, ça se voit. Plus vite que moi, hein. Il court plus vite que moi, ces bâtards. Wouah! Oh, le gros fusil à pompe là. Ah bah merde, j'ai pas oublié, c'est juste que j'ai la flemme là. Ah quand il y a un bruit tac tac, ça veut dire que ça se remplit genre. Attends, je vais voir les gars si j'ai pas oublié genre de fouiller des trucs là-bas ou quoi genre. Des fois genre il peut y avoir des trucs genre à côté ici. Ça c'est beau n'empêche hein. La petite maison là-bas là. Celle-là ici y a quoi? Ok y a rien. Je suis sorti par là. Là-bas y a rien j'imagine. Parfait. Quel but du jeu? Quel jeu BML? The Walking Dead? Ou celui-là? Va dans l'eau. On peut y aller dans l'eau? Je peux pas y aller. Celui-là, le but? Oh, c'est une histoire. C'est un jeu solo donc il y a une histoire. En gros, elle, cette fille, elle est immunisée contre les zombies. Et du coup on a une mission de amener cette fille à un endroit précis sauf qu'on a que des problèmes. Et voilà c'est ça le but. C'est d'aller à un point B mais on a que des problèmes sur le chemin. Et des mecs qui veulent nous tuer parce qu'on a tué des gens et des zombies. Il faut faire attention à nos munitions, faut ramasser, faut fouiller. Voilà. Bon, ça devrait faire l'affaire. Par où je dois passer les gars? Par où est-ce que je dois passer? Je sais, j'ai vu tous les deux, je parle du jeu que tu joues. Par là on passe. Okay. Surtout. Ça c'est bizarre que BML connaît pas The Walking Dead. T'as quel âge BML? T'avais pas 13 ans toi? Parce que quand même, c'est un jeu très très connu quand même The Walking Dead. Comme quoi? The Last of Us. J'en ai 20. Mais comment tu ne connais pas The Last of Us? C'est bizarre. C'est rare hein, des personnes qui connaissent pas ce jeu. Et j'ai tout fini. Mais je connais. Tu m'as perdu BML. Au début tu me dis c'est quoi le jeu. Après tu me dis je connais le jeu. Vous n'avez pas compris. Je crois qu'il y a eu un problème, ouais. Parce que moi, je parle. Moi, il m'a dit, il connaît. Il m'a dit, c'est quoi le but de ce jeu. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, je connais ce jeu.
Je crois qu'il parle de The Walking Dead. Non, il a dit The Walking Dead, il a dit il avait tous les épisodes. Moi aussi je me suis perdu. Bizarre. On va ramasser. On s'est tous perdus, les frères. La courbe de ouf. De baiser. Que des secs pas. Ce truc me barre la route. Comme de par hasard. Muster, je crois qu'il a pas réussi à enlever Wisebot et les viveurs. Ah, attends, je vais essayer. Voilà le chemin. Ah, t'avais pas essayé, d'accord. Tiens bon, Joël. Les gars, attention. Faut le bagarre. Allez, c'est parti. On va prendre les tirs à l'arc, la flèche. Alors, là-bas, on fouille un ennemi. Il y en a deux même. Ils me voient de là, ces fils de pute. Ils sont trop forts. On ratisse la zone. On doit s'assurer qu'elle se planque pas par ici. Ils sont deux. Ils sont même trois, je crois. Il faut que j'ai les trois d'un coup. Non. Où est-ce que t'es? Putain, je les ai baisés, frère. Hey, mais c'est pas une dinguerie de se dire qu'une petite fille comme ça est en train d'enculer les... Genre des hommes, genre. Ça marche, BML. Mais laisse-moi avoir un doute sur ton âge. Si tu me permets. Laisse-moi avoir un doute sur ton âge, mon frère. J'ai l'impression que tu m'as menti, mais c'est pas grave. Tout à fait normal. T'as vu ça, gros, comment c'est être trop forte? Oh, y'a un quad! Oh, il est mort depuis longtemps, lui. Tu devrais mettre le viseur classique sur le gun aussi. Tu penses? J'aime mieux voir ça, là, quand... Quand je vois que c'est gros, tu vois, genre, je me dis, ok, là, il faut que je m'arrête de bouger, genre, tu vois, là, exemple, tu vois. Là, c'est précis, tu vois, c'est pas, j'aime bien. Imagine, c'est JP. Non, JP, non. JP, il vient plus, je pense. JP, ça y est, là, il a grandi, les gars. Il a remarqué, je pense, il a dû commencer à découvrir des autres streams. Et même, autre chose dans la vie, il a dit, ça y est, fin. Fin de vous. Si je suis là. Oh le menteur, comment ça se fait? JP, c'est quand tu vas partir là?
C'est quand tu vas plus venir dans mes streams? Et tu vas m'abandonner à mon sort, frérot. Ok, merci beaucoup, master. T'as quoi comme casque VR? Le Quest 2. Eh, d'ailleurs les gars, vous me faites penser, mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes comme toi, Bike, qui me disent ouais, c'est quoi ton casque, c'est quoi ton câble, c'est quoi ton tes manettes, c'est quoi ça, c'est quoi. Ils veulent tous avoir la même chose que les mecs qui voient dans les vidéos. Du coup, je me dis en vrai, vaut mieux que je crée des liens parrainage sur Amazon. Bien joué ça là. Allô? C'est quoi? Ah, j'ai reçu un mail. C'est quoi ce mail de Golemon? Facebook. Ok. Bah, je l'ai con lui. Ils courent vers moi. Ils savent que je suis armé. Pourquoi ils courent vers moi? Des fois, les PNJ, c'est un peu des gags, hein, on pêche. Même si jusqu'à maintenant, je trouve que c'est les meilleurs que j'ai vus dans n'importe quel jeu. Tu vois. Mais c'est dommage que, genre, ils courent vers moi. Et aussi, le mode écoute, là, c'est trop cheaté. Genre, ça, là, c'est trop cheaté. Voilà la sortie. Mais bon. J'ai pas trop envie de galérer sur le jeu aussi, non, tu vois. Donc du coup j'utilise tous les... tout ce que le jeu me propose. T'as les notifs de tes mails? Ouais. Enfin, de les mails pro, mais là j'ai sans faire exprès, j'ai mis tous mes mails. Tu sais, les spams là. Ça me spam carrément les notifs. Faudrait que je l'enlève d'ailleurs. Gros, mes notifs c'est que des mails, hein. C'est pas... y a pas de message privé ou... Moi mes notifs c'est que quand il y a WhatsApp pour ma daronne et les mails. Discord, c'est rare qu'on m'écrit sur Discord. Ah, le boss, il est là, le boss. Tu calmes. T'es en sécurité. T'en fais pas. Il m'a eu. T'en fais pas. Les anciennes vidéos, bien sûr, je me rappelle, bien sûr. Oh! C'est des cannibales, putain de merde. Oui, il y a eu un bug encore d'affichage. Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. Oh, la bouffe est trop bien faite quand ça a bougé là. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Du cerf? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami vous avez tué... Combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre.
tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant ? Vous allez me découper en petits morceaux aussi ? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi ? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant ? Ellie. Quoi ? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt ! Comment t'as dit ? Hein ? En petits morceaux. Les cannibales de baisers, de baisers. On dirait toi. Comment ça on dirait moi? Ah lui il a retrouvé des couleurs lui. Est-ce qu'on pourrait courir avec lui ou pas? Ellie. Magnifique. Ouais, ben, mais les vidéos, ils sont dispo sur ma chaîne YouTube secondaire. Les vidéos de Dying Light. Comment ça, enfin, une personne qui connaît, tout le monde connaît Dying Light, frérot. Ben, mais, dis-moi ton vrai âge, gros. Arrête de mentir, t'as dit 20 ans. Dis-moi t'as 13 ans, s'il te plaît. Regarde. C'est pas la peine de te cacher, regarde. Eh hey, les gars, vous avez quel âge? Les gars, vous avez quel âge? Comme ça, au moins, BML, ils sont en sécurité parce qu'il va voir qu'il y a plein de mecs de son âge. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? 23, 17. Il a 17. Ah, il a 17 ans. Wesh, mais c'est bizarre de, à 17 ans d'écrire des messages comme ça. On dirait pas qu'il a 17 ans, BML. Après, ça se trouve, c'est un. Je sais pas. Ah merde, je suis archi lent. Bizarre. 17 ans, je sais pas, t'es écrit un peu comme un mec qui a 13 ans, genre. Mais c'est pas grave, mon frère. Attends, laisse-moi d'abord fouiller la zone. Et d'ailleurs, vous préférez Dying Light 1 ou Dying Light 2? Vu que t'en parles de ça maintenant. Parce qu'en vrai, gros, le 2, j'ai essayé plusieurs fois et vas-y, pue la merde. Le 1, on est d'accord, hein. Le 2, frère, j'ai attendu. Ça allait être banger le 2, ça allait être incroyable. Ils ont fait une map où tout est immense et tout le parcours, ils l'ont niqué. Vas-y frère. En fait des fois, il faut pas trop changer. Il faut faire une suite, mais il faut pas trop changer la sauce. Regarde Ubisoft. Bon, eux ils ont un peu abusé, tu vois, la sauce. Tu vois, ils ont ressaucé à chaque fois et tout, mais ça, à un moment ça a planté. Mais au moins, Dying Light 2, tu fais une nouvelle histoire et de meilleurs graphismes, mais tu laisses le même style de gameplay, ça aurait marché. Ça aurait tellement bien marché. Où est-ce qu'elle est passée ? Là, je me demande si je dois fouiller, là. Je crois pas. Hein. Ça veut rien dire, j'en ai 11. Alors, c'est vraiment lui... C'est... Parce que... Ouais, on verra. Prends
Prenons-le par le flanc. C'est bon, c'est bon. Il essaie de nous tuer. Bah, mais bien sûr, je vais essayer de vous tuer parce que vous essayez de me tuer, bande de cons. Allez, ramenez-vous. Allez. Il y en a un là-bas à droite, là, je l'ai vu. Il a dit, il essaie de nous tuer. Mais bien sûr, j'essaie de vous tuer. Ils savent toujours, ils abusent. A tester Avatar, de tout à l'heure, il n'a pas encore crack, mais j'en ai testé Avatar en soi. Eh, d'ailleurs, les gars, Avatar 2, on l'a pas regardé, les gars, Avatar 2. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on le regarde, histoire de kiffer un petit peu, genre, des fois? Mais pas maintenant, bien sûr. Mais c'est moi, il se cache de moi, là, c'est con. Ah ah, 4. Tu as un niveau 4 d'amélioration, toi. Comment tu sais? Tu l'as pas vu? Non, pas encore vu. Bah, c'était, on était censé voir le raid en live, mais on l'a jamais regardé. Oh, comment je pue la merde. Où est-ce qu'elle est? Je te ferai parler d'une manière ou d'une autre. Oh, la hache de ouf. Merde. Ah merde, je suis bloqué, merde, je voulais faire le tour. Bon attends, je vais me soigner quand même les gars. Je suis pas bien en soin là. Ah ok, j'ai plus qu'une balle dessus. Bon, autant l'utiliser ou pas? Vas-y, autant l'utiliser en vrai. Il me reste plus qu'une balle les gars. Ils fuient ou quoi? Ils ont peur de moi? Ramenez-vous les gars! Bon, je rentre dans la maison, hein, je m'en fous. Je vois qu'il bouge pas, hein. Bon, bah les couilles, hein. S'il bouge pas, il bouge pas, ma gueule, c'est pas ma faute. Bon. Ok. Avec une facecam, ouais, c'est prévu, Bake. C'est prévu. Pour les prochaines vidéos, ça va être full facecam. Ah, ok, ça c'était sûr. Allez, achève-le ! Tire-le bien ! Oh merde ! En sachant qu'il est blessé, hein. Eh, je suis à 150 FPS, je suis à 200 FPS. Waouh, waouh, waouh. Attends-moi là. Yo, il blague même plus. La fille, elle est vivante. Quelle fille? Je sais pas de quoi tu parles. Waouh. S'il te plaît, fais un effort. Sinon, je t'arrache ton putain de genou. La fille.
Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça? Dans la ville. Dans la ville. Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je te mens pas. Je te mens pas. Oh non, bon. Mais les gars, mais c'est quoi cette force surhumaine qu'il a là? Il t'a dit ce que tu voulais savoir. Je te dirai que dalle. C'est pas grave. Moi je crois. Non, attends. Wesh. Wesh. Lâchez-moi. Sors. Non, arrêtez. Je t'avais prévenu. Je suis infectée. Je suis infectée. Vraiment. Et vous aussi. Oh bah oui. Non. Allez-y. Relevez ma manche. Regardez. Je vais jouer le jeu. Oh oh. Qu'est-ce que vous disiez? Oh oh. Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça? Oh, le bâtard. C'est quoi cette merde? Elle se serait transformée. C'est impossible. Ça m'a l'air vachement possible à moi. Mais elle est trop dangereuse, c'est trop. Oh mon dieu, oh mon dieu. Bon, comme par hasard, parfait. C'est quoi ce blizzard là, les gars? Allez hop, lui il rentre pas. On va voir s'il va rentrer. Crash test, les gars, crash test. Les gars, crash test. Les gars, c'est un crash test, les gars. Eh, n'empêche, les gars, le jeu il me bouffe 23 Go de RAM. Hein. Comme quoi, les gars, 16 Go de RAM, il... ça suffit pas. Ouais, il est même pas là d'ailleurs. Bah, on va marcher, hein. C'est pas la peine de courir. Ah, je crois qu'il va être là d'ailleurs. Ah, bah, il est là. La porte, elle est juste la merde. Il y a eu des coups de feu. Elle est infectée. Quoi? La fille. Elle est infectée. Et elle a filé. Bon. On va réunir tous ceux qui n'ont pas d'armes et les mettre en lieu sûr. Si on trouve la fille, on la tue. Allez. Merde. Oh, putain. Merde, 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 merde. Ça fait des mois que je le dis. On a été trop cool. Ils sont que deux là. Je pourrais tenter de les tuer. Je pourrais tenter. Baisse ta mère, baisse ta... Ouah. Tu crois aller comme ça? Pardon, pardon, pardon. Je vais mourir. Ah!
Oh, incroyable, j'ai kiffé. Oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Il faut que je tue un mec pour avoir une arme. Il y avait un son ici. Archi mort là. Mais c'est des cow-boys. Wow, une balle dans la tête. Ok, là c'était beaucoup plus dur. Là c'était beaucoup plus dur. Tout à l'heure j'avais bien joué, mais là j'ai fait de la merde. Ok, putain, c'est bon, j'ai une balle dans le crâne. Ok, là je vais juste tranquille. Là on va pas faire des trucs de con là. On va aller tranquillement parce que tout à l'heure j'ai couru, j'étais pressé comme un con. Alors qu'il faut pas, faut pas. Là je vais prendre juste le son qui est là là. Voilà. Je vais encore attendre encore une fois le mec qui vient ici là. Il va rentrer ici, je vais le tuer à l'intérieur. Il était jamais censé venir ici. Il était jamais censé venir ici. Silence radio, silence radio. 4 balles, ok. Et là-bas, ce fils de pute. Rien de mon côté, et toi? Ouais, pareil. Par ici. Oh. C'est bon, parfait. Ok. Vite fait, il y avait un étage, je crois, non? Ah, je peux pas monter. Y'a quoi au fond là? Y'a rien, non? Y'a rien. Bon, on va essayer de se casser. On va essayer de se tirer.
J'aurais peut-être dû prendre une bouteille. Avec moi. Ils sont au-dessus. Et bah nous aussi on va aller au-dessus. Où est-ce que je vais ? Couché. Parfait. À minuit et demi. Les gars, on le finit ce soir pour le jeu, les gars. Comme ça, on commence Spider-Man 2 pour la prochaine séance. Vas-y, bon, on y va, les gars. C'est parti pour finir le jeu, les gars. Je dis juste que ça peut devenir un problème. On a déjà un problème sur les bras et on va le régler. Allez, on se concentre, faut la trouver. Non, ma bouteille. Oh, j'ai perdu ma bouteille. Non, je suis mort. Ma bouteille, je l'ai perdue en chemin. Et la bouteille, là, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est ? Je vais où ? Ouais, c'est une bonne question. Même moi, je sais pas où je dois aller.
Bon. Ah, c'est bon. Oh là, lui, comment il est mort de loin, lui. Écrivez le titre, on finit The Last of Us ce soir. Après, film. Je suis où là? Je suis dans leur base. Tu stream beaucoup en ce moment, Rems. Ouais, je déprime ma gueule, laisse tomber, Zello. Je suis en mode bas les couilles là. Ça va ou quoi, Zello? Ma princesse, la plus belle des princesses, la reine. La reine de ce chat. Ah, c'est quoi ces trucs? Du soin. Pourquoi y'a personne? Peut-être parce que je l'ai tous tués, non, je sais pas. Viens, on dep ensemble, on déprime. Putain, je voulais trop que tu écrives, viens, on baise ensemble, mais c'est pas grave. Ouais, on peut le faire aussi, ça me dérange pas. Pourquoi tu déprimes? Ah oui, bah oui, toi t'as. T'es bientôt SDF, putain, j'avais oublié. Je suis à deux doigts du burnout, ouais, bah j'imagine. Déjà, le fait que t'as les streams, je me suis dit, ok, là ça commence. En plus, t'es bientôt SDF, donc bon. Les gars, y'a rien ou quoi ici? Là, je suis. C'est un restaurant, c'est quoi ce délire? When we are in need, he shall provide. Ça me. Cet endroit me dit un truc dans la série. Je ne sais pas s'il y a dans la série, mais ça me fait grave rappeler la série, cet endroit. C'est pas l'endroit qui brûle, les gars. La vérité, je chale tous les soirs, la vie pue sa mère. Ah bah frère. Mais c'est trop bizarre qu'en ce moment on est tous comme ça. C'est quoi, c'est l'hiver qui se termine? Je sais pas, c'est l'été. Avant c'était pas comme ça la vie. Putain, c'est parti en couille les cœurs. Ça se voyait déjà. Ah bah ouais, bah ça brûle. Ah bah ouais. On se calme. Tira nulle part. Sortir. Il va te falloir ses clés. Je sais que t'es pas infecté. Oups. Il faut ses clés. Oh, il a une grosse machette. J'ai pas de verre là, j'ai rien. Dans un restaurant, y'a pas de verre. Je trouve des bouteilles partout dans le jeu. Et là, y'a pas de verre. Alors, que choisis-tu, Ellie? Donnez-moi des bouteilles, les gars. T'as failli m'avoir. T'as réussi à faire douter. Vas-y, les bouts de verre là, ça me casse les couilles. Bon, bah. Ah, c'est quoi ça? Du soin encore. Ça peut te consoler. On fera un bon usage de son cadavre. Foiré. Tu sais, je regrette vraiment que t'aies tué James. C'était quelqu'un de bien. Il faisait juste son travail. Il va falloir faire mieux que ça. Aïe aïe! Bon. Bon, il est un peu chiant. Il est un peu chiant, ça marche pas. Il faut vraiment que je suis derrière lui, je pense, pour le coup de couteau. Et le feu, là, il se propage pas plus que ça? Il va me baiser. Allez, finissons-en. Ellie! Allez, viens! Je suis sûr que tu meurs d'envie de me répondre. Non? Vraiment? On est sûr? Merci! Bien tenté, petite! Wesh, il meurt pas? Tout va bien se passer.
Oh, le sabre. Monsieur. Oh le pédophile. Oh, comme une course. Ça en dirait moi. Zélo, je vais te conseiller comme ça, Zélo. Non, c'est pas toi. Rends-toi tout de suite. Attaque-le, fils de pute. Voilà, c'est bien. On dirait Dead by Daylight. Dead by là, il a mes couilles là, le jeu de merde que Zelda joue là. Laisse-moi tranquille, connard. Ça suffit, Ellie. Porte-le là, ton amphibie. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, le bâtard, il s'est caché. Il est con quoi. Allez hop. Oh, il est mort. Lui, il est à pied, frère. Heureusement qu'il est pas mort de froid. Silver Lake. Putain, Silver Lake, on dirait que c'est le même endroit que Days Gone. A chaque fois, j'ai... Ça me dit un truc, c'est Silver Lake, les gars. Non, mais c'est sûr, moi aussi. Oh, j'ai pas de balles, j'ai rien. Non, ma gueule. Elle parle de Ellie en plus. C'est ça votre lance-flamme là? Et là ils m'ont dit, il claque sa mère. Pue la merde. Je voulais juste tester, mais il pue la merde ton arme. Celui qui m'a dit, ouais, lance-flamme. C'est... En fait, lance-flamme c'est bien que pour les zombies. Les humains ça éclate au sol. On va prendre notre flèche, frérot. Et on va partir, on va refouiller là-bas, là, on va les baiser. Ça sert à rien, toi que dalle. Poursuivons les recherches. Si elle se pointe, faudra pas la rater. On devrait surveiller l'abri. Il y a une infectée qui se travaille en ville et on garde cette putain de sortie. Hé, la gamine. Ah là, il a pas d'arme, lui. Pas évident. Ta mère la pute, monsieur. Arros pucho, à mon ap. On va accélérer. Là, je vais au mieux jouer là. Faire le tour. Ok.
Chef! Ah, c'est lui, s'il te plaît, là-bas. Attends, en vrai, tu sais quoi, je vais garder mes armes. Ce qu'on va faire, on va juste le contourner en vrai. Il pourrait pas me tirer sur moi, de toute façon, ici, là. Voilà, là, il est baisé, de toute façon. Là, ici, il est baisé. Chef. Putain, merde. Je voudrais juste vérifier leurs affaires, les gars. Il y avait rien. Je me demande si je pouvais fouiller un peu plus les gars ici par hasard ou pas, à votre avis. Non, y'a rien. Ah non, y'a rien. En vrai, 3 one shot c'est mieux. 3 one shot. Je préfère cette arme là pour. Enfin. Allo, chef. Ils m'ont pas vu là. Wesh, d'où? C'est bon, il a chargé déjà? Ok. Il est glacé. Et le sac de Ellie. Comment ça se fait que les affaires d'Ellie sont là? Où est-ce qu'il l'a mis? On peut le voir, on peut pas voir. Ah, c'est quoi ça? Magnifique. Il mange des humains. Ça aurait été mieux si on pouvait voir l'os gag. Genre plus logique. Il faut que je la trouve. Putain. Allez. Oh. On rejoue Ellie? Comment ça? Bah en mode ils sont tout nus genre. Au lieu de voir. Ce qui est pourquoi. À quoi ça sert de mettre des morts et mettre des cassons sur les morts? On s'en fout. Ils sont tout nus. Autant utiliser les tissus pour autre chose si c'est vraiment rare. Tu vois le délire? Ouais, c'est la fin de Spider-Man Miles Morales là, les gars. C'est la même mission que Miles Morales. Et on va faire que des bruits là, après on va faire des QTE, après on va le tuer. Je savais que t'avais du cœur. C'est pas grave d'abandonner. Y a pas de honte à ça. Oh, il est inutile d'être aussi grossière. Les gars, ça fait quoi si je bouge pas? Est-ce qu'il va me violer ou pas? Tu penses me connaître? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. Non, à mon avis, il va juste me tuer.
Lâche. Mais ça, ça va. C'est moi. Regarde. C'est moi. Il a essayé. Ça va. Comment vous avez... Plus jamais vous me parlez de God of War, s'il vous plaît, les gars. Qui a dit, les gars, regardez-moi ce jeu, les gars. Écoutez-moi la musique, les gars. Je suis désolé, mais encore une fois, mais... Qui a osé dire qu'il a eu plus de sentiments, sensations sur God of War que ça? Émotion. God of War, c'est bien, encore une fois, je répète. Mais de là à dire que j'ai ressenti plus de trucs sur God of War, c'est ever, c'est vraiment un gag. Saver, ça se voit, son jeu, c'est juste être carré pour niquer des mecs, c'est tout. Elle est sourde. Ah, bizarre. Tu m'as entendu? Autumn. Non. Quoi? Regarde, c'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. Là, c'est ça, j'aime bien. Tu sens cette brise? Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon porche et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle s'en fout? Bientôt la fin. Ah ouais? En tout cas, encore une fois les gars, je répète, ce jeu est très beau. Là actuellement je suis à 140 FPS. Je vais oser, d'accord, oser enlever le DLSS. D'avoir la 4K native et de tomber à... J'étais à combien d'FPS? Parce que là c'est toujours pareil là. Oui mais je le fous. Quoi? Mais au début, j'avais mis le DLSS au début là, il y a deux streams ou un stream. Les gars, à chaque fois je vois ça, imaginez les gars, encore une fois, imaginez genre... Écoutez. Juste la nature, d'accord? Imaginez, vous êtes encore une fois avec vos potes, ok? Vos parents, toute vos familles est morte. Mort. Vous n'avez que vos amis avec vous, d'accord? Vous êtes 4-5, ok? Imaginez, genre, vous avez basé votre base. Genre, en gros, vous voyagez de semaine en semaine, tu vois? Et à chaque fois, vous restez une semaine ou trois jours et tout à un endroit. Et là, le nouvel endroit que vous avez trouvé, c'est cet endroit-là. Ici. En gros, il y en a qui dorment ici, il y en a qui dorment là, j'en sais rien, tu vois. Et chaque jour, il y en a une tâche journalière, tu vois. Vous devez sortir, je sais pas, moi, couper du bois, trouver des moutons, trouver de l'herbe, je sais pas. C'est ce que je veux dire ou pas? Et revenir ici, se préparer. Genre, la vie, il n'y a plus aucune société, il n'y a plus rien, il y a le danger de mort tous les jours. Mais vous êtes seul. Genre, c'est pas comme si chaque mec qui vous trouve, il va vous tuer, tu vois. Parce qu'en vrai, dans la vraie vie, je pense pas que chaque... Si, en vrai, avec la fin, je pense que... Ils seront toujours en mode bizarre, en mode... Ils voudront vous tuer, mais bon. Mais ouais, ce serait... Je sais pas, à chaque fois, j'imagine ça, ça serait trop bien. Ah. Les gars, vous savez c'est qui, là, c'est quoi? Là, c'est truc, ça, les gars. C'est la famille dans The World War Z. C'était leur camion au début du film. Ils sont morts. Merde. Oh la ref. La ref, je sais pas d'où il sort, frérot, mais c'est vraiment leur camion. Soit tu dis Breaking Bad, soit tu dis ça marche, tous les deux. Ou sinon, ces trucs de Walking Dead, hein, aussi, ils avaient, dans la saison 1 ou 2, ils avaient aussi une caravane comme ça. Regarde le lit. Ne me dis pas, il y a un cadavre que j'ai pas vu. C'est pour ça qu'il y a marqué pardonne-nous.
Il manque quelqu'un. Il n'y a pas tous les cadavres. Il y a deux cadavres là et un cadavre là. Mort en baisant. C'est-à-dire ils baisent aussi leur fille. Pourquoi elle parle pas, Ellie? Il est bizarre un peu. Il manque le daron. C'est pour ça que je pense que c'est le daron qui a tué, je pense, Cogelo. 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 Hospital. Regarde ça. Une autre ville et une autre zone de quarantaine abandonnée. En fait, toutes les zones de quarantaine sont mort KO ici, dans ce jeu. Il n'y en a aucun qui a résisté. Soit il y a une machinerie, soit eux ils sont morts. C'est l'hôpital dont parlait le type des Lucioles. Saint-Marie's Hospital. On y va, Ellie. Il y a un gros tank, sa mère. Les gars, le jeu il est incroyable. Je vous jure, les gars, le jeu il est incroyable. Je sais que je me répète les gars, mais j'aurais trop aimé un jeu multi. La map elle est tellement immense que genre vous êtes seul pendant deux... pendant 8 heures d'affilée vous êtes vraiment seul. Et genre vous baladez, vous fouillez, je sais pas, vous améliorez votre voiture, votre personnel, votre arme. Genre tellement la map elle est grande, mais genre c'est online, tu vois, genre à tout moment tu peux voir quelqu'un comme DayZ. Mais genre ce genre de jeu, genre réaliste, ce serait, pour moi ce serait le meilleur jeu au monde. On devrait couper par là. Un peu à la Star Citizen en soi. Genre, au lieu de juste prendre, tu peux genre avec ta souris sélectionner, inspecter, fouiller, ouvrir, rejeter par terre, replacer, des trucs comme ça, genre. The day before. Tout va bien ? Ouais, ça va. Dis-moi, je t'entends pas beaucoup aujourd'hui. Oh, désolé. Non, c'est pas... Ça va. Je pense qu'elle est vraiment au trauma du fait qu'elle allait se faire violer, je pense, pour de vrai. Mais est-ce que... Vraiment, c'est une question de con, les gars, mais... Est-ce que on peut être trauma en tant qu'homme? Parce que j'arrive pas à vraiment ressentir et à être compatir, mais... Enfin, j'arrive pas à avoir la... Enfin, ouais, voilà, vous avez compris. Mais est-ce qu'on peut être vraiment trauma pendant des mois à une tentative de viol? Ou est-ce que genre... Parce qu'en fait, en soi... En soi, si t'es dans une société normale, t'as vu, et tu t'attends jamais à te faire violer, tu vois, c'est normal. Mais ça peut arriver. Il y a un médicament, là. Mais là, elle a... Genre, dans ce monde, tu peux vraiment t'attendre à tout. Et du coup, en soi, je me dis, est-ce que genre c'est pas la routine un peu, genre d'avoir des dangers aussi extrêmes, mais être trauma pour un viol alors qu'elle allait se faire manger, tuer avec des balles, tout ça et tout. Pour moi, c'est plus traumatisant d'avoir des coups de feu sur soi que... Je sais pas si... comment dire. Bon, on doit monter là-haut, c'est ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas si you understand me. On pourrait utiliser cette échelle. Chef. Tu sais là, tout ce qui... Regarde, là ce que... Regarde. Là je prends Ellie, soulève Ellie,
Et elle prend la chaise et c'est fini, genre. Et sinon, il saute, il bouscule avec sa main, tu vois, il le fait tomber, c'est pas grave. Et là, je dois faire quoi, là, du coup? C'est un principe qui saute, on n'est pas Tomb Raider. Comment je peux aller là-bas? Allô, Ellie? Réveille-toi, s'il te plaît. Aide-moi. Ça? Les gars, je suis perdu. Putain, c'est à côté de sa mère la chauve, sérieusement. Ah, elle vient pas. Ellie. Ellie. Quoi? L'échelle, j'attends. Ouais. Les développeurs, ils sont vraiment trop forts quand même. Et là, pourquoi le jeu il bouffe 11 de VRAM? Ah oui, parce qu'il s'est pas mis le DLSS. Ah oui, le DLSS ah ouais, c'est un cheat code quand même. C'est pas vrai. Oh. Wesh, wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Ellie! Ellie! Il faut que tu vois ça! C'est quoi? Je vois rien du tout. Oh, j'aime pas les miroirs comme ça, les... Oh, les girafes! Non, vas-y, vas-y, vas-y! Alors là, j'hallucine! Oh, je suis rapide! Allô? Allez, grouille-toi! C'est pas vrai, je rêve. Oh! Oh, les gars! Comment ils sont venus jusqu'à là? Il y avait un zoo à côté ou quoi? C'est sûr, il y avait un zoo. Comment ils sont venus jusqu'à là? Comment ils ont pu survivre à ça? Les zombies, ils auraient dû attaquer ça en balle, genre. Wow, la dinguerie. Tu vois ça? Non, les gars, c'est... Wow. Non, c'est incroyable. Salut, dépêche-toi. Vas-y. Salut. C'est trop cool. Oh, où est-ce qu'elle va? Allez, viens, on bouge. Hé, hey, ralentis, Ellie. J'arrive, j'arrive. Cet endroit est incroyable. T'es obligé de marcher, t'es obligé d'observer. Tu vois, il y a des jeux comme ça, quand ils te forcent à faire ça, c'est là que tu comprends que... Genre, tu dois observer. Par où elle est montée, les gars? Ok, je suis venu par là. C'est pas quoi de voir. C'est bizarre que Gorok il protège plus le jeu là, il est parti. Écoute la musique, juste la musique. Oh merde. Oh, il y a une famille complète de girafes. Regarde ces trucs. Mamma mia.
Alors ? C'est à la hauteur de tes espérances ? Bon, je suis un peu mitigée, mais... faut bien reconnaître que c'est joli. Il y a une cathédrale en face. Je vais observer encore un peu les gars. America. On n'est pas obligé de faire ça. Ouais, tu le sais, pas vrai. C'est quoi l'autre option ? Retourner chez Tommy et laisser tomber toutes ces conneries. Tout ça pour ça ? Non ! Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce que j'ai fait. Je vais pas gâcher ça. C'est pas moi, Gorok, c'est Frat. Écoute, je sais que tu veux bien faire. Ça marche, Vince. Mais je dois aller jusqu'au bout. Quand tout ça sera terminé, on ira où tu veux. Ok ? Bon, je ne partirai pas sans toi. Alors finissons-en avec ça. Vince, tu me dis, hein, si ou hein. Sale bâtard, comment ça? Gros, t'as l'air, t'as dit. c'est pas God of War, hein. Ma gueule. Assume. Fais face au regard de Gorok. Lui qui kiffe God of War. Y'a rien, d'accord. Y'a rien, ok. Alors, tu l'as DL ton fameux mode. Ouais, j'ai regardé les modes et malheureusement, il n'y a que des modes. Enfin, malheureusement. Heureusement, il n'y a que des modes avec des maquillages sur le visage de Ellie. Il n'y a pas des modes. J'ai mal à la gorge, j'arrive pas à le dire. Des modes. J'ai oublié. C'était quoi déjà qu'on cherchait, les gars, comme mode? Il faut que vous m'aidez à le dire parce que j'ai oublié, les gars. J'arrive pas à le dire. En fait, c'est un mot précis que j'ai oublié à le dire. Je sais pas comment. Faut que vous m'aidez. Personne qui l'a, d'accord. Okay. Cet endroit me rappelle des choses. Pourquoi ? C'était juste après que tout parte en vrille. J'ai atterri dans un centre de triage comme celui-ci. Et bon sang, partout où je regardais, je voyais des familles déchirées. Wilton, ça marche, Vince. Si tout ce foutu monde, je vais le faire de suite. Dans le chaos en l'espace de quelques secondes. T'es après avoir perdu Sarah ? Ouais, c'est ça. J'imagine pas ce que ça fait de perdre un être aussi cher. De perdre tout ce à quoi on tient. Je suis désolée, Joël. C'est pas grave, Ellie. Ah les gars, d'ailleurs, j'ai oublié, mais il y a un DLC dans ce jeu. Est-ce que c'est intéressant de faire le DLC, les gars? Pour la suite de l'histoire. Enfin, pour le 2, genre. Ça dépend.
Let's go. Il est court le DLC, je peux le one shot. Ah ouais? Vas-y. Enfin pas aujourd'hui hein, mais là aujourd'hui on termine ça principal au moins. Joël, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Mariam l'a montré et je l'ai volé. J'espère que tu m'en veux pas. Oh ! Son ongle Minecrafté là. Beau essayer de toutes ses forces, on peut pas échapper à son passé. Merci. Lui, comment il est mort ici, lui? Vas-y, lui. Les gars, là, ici, c'est impossible, les gars, on se fait attaquer. C'est trop paisible, le jeu. Impossible, il casse le délire avec des gangs, tout ça et tout, ça va être trop, genre, pas crédible. Oh wesh! Mon carquois est plein. Y'a un établi ici. Je l'ai raté ou pas, Vince? Parce que là on dirait pas qu'il y a un établi hein, mon frère. Je l'ai raté ou pas l'établi, les gars? Ah ouais, merde, je l'ai raté. Oui, mais attends, peut-être il est là. Ah, parfait. Oh la dinguerie. Oh, j'avais mal fouillé. Oh là là. No more supplies, évacuation. Quarantaine, bus, station. Hôpital. On va partir par la droite, les gars. Il y a deux chemins, là, ici. On va prendre la droite pour partir à l'hôpital. Oh, wesh. Bon. Vous êtes prêts, les gars? Allez, c'est parti. Putain, que 119, sérieux. Bon. Allez, ça part. Là, il me reste 44. Ah ouais, deux trous. Ok. Ça marche, Vince. Ah, pour le moment, là, je suis baisé. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas grave. Au moins, les gars, avec cette arme, on a perforation à fond. Malheureusement, j'ai pas trop de munitions. Faut que là, j'économise au max. En fait, cette arme, elle est vraiment cheatée, je trouve. Comme l'autre à la cheat, celle-là, là. Bon, on doit partir à droite, d'accord, les gars. D'abord fouiller un petit peu au fond, là, pour voir ce qu'il y a. Y'a rien. Vas-y, on prend à droite, on y va.
fois, ça va être différent. Je le sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont être là, les Lucioles. J'en suis sûre. C'est vrai qu'à la fin, Joël, il tue tous les Lucioles. En mode super vénère, en mode gangster. Ici, il peut y avoir des zombies. Que on le veuille ou pas. Il peut y avoir des zombies. Oh, cet endroit est flippant. Moi le soleil, comment il frappe sur l'herbe, c'est incroyable. Oh,
Lance-flamme, H comme. Ouais, mais j'ai pas envie de le faire, il pue la merde. Et Vince il m'a dit il faut que je devais l'améliorer, comme je l'ai pas amélioré, il est grave faible. Je sais pas, là je trouve que je pouvais l'utiliser. Enfin, je pouvais ne pas l'utiliser, genre. Mais là j'ai perdu grave des balles de l'autre. Et l'autre qui était grave important, alors que je l'ai amélioré au max. Voilà, je peux récupérer mes deux flèches, là ça va, je suis bien. Ouais, lance-flamme, les gars, inutile, les gars, malheureusement. Content ? Est-ce que vous êtes content ? Oh merde. Il y en a beaucoup trop. Je sais, mais on doit continuer. Oh, ok. S'ils m'ont donné tout ça, les gars, ça sent pas bon. Ok, attends. Nickel. Attends. J'ai un plan, les gars. Et impossible que je perde. Ils sont 8 milliards. Ils sont 8 milliards. Les gars, pourquoi j'arrive plus à me baisser? Ah, voilà. Bon, en vrai, en fait, je voulais faire le lance-flamme, mais là, vu que là-bas, à l'autre côté, il y a grave des zombies, du coup, je vais faire. Je vais faire silencieux comme ça. Comme ça, eux, quand là-bas, je vais faire du bruit, eux, ils vont pas venir vers moi, tu vois. Il faut au moins que je les lave. Voilà, ça c'est fait. Il faut que je tue tous les autres là-bas avec les flèches. Comme ça, les gros, je peux les enflammer ou quoi, tu vois. Parce que là, j'ai pas trop de munitions, je vous avoue. Donc là, le plan, les gars. Ici, il y en a un à côté, là. Si je peux l'étrangler, je vais l'étrangler. Je vais t'étrangler. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, pour se faire soulever ou pas? Parce que moi je vous dis, hein. Moi je vous dis, les gars, on va se faire soulever. Les gars, on va se faire soulever, hein.
Ah ouais, tu penses? Ouais, t'as raison, je crois que je vais faire ça. Parce que en vrai, les gars, les gros, ils me donnent rien du tout, les gars. Alors, ce que je vais faire. Parfait. Cette caisse va nous aider à monter. Ellie, vite. Ellie, vite, avant qu'il revienne. Vite, vite, vite. Ellie, monte là-haut et fais descendre la caisse. Oh, oh. Ça va faire du bruit, la caisse. Chef. Chef. Les gars, les gros, ils me voient, les gros. Les gars, j'ai un problème, les gars, j'arrive plus à me lever. Les gars, j'arrive plus à me baisser. Et j'arrive plus à me lever. Pour me baisser, faut que je fasse ça. Après, il faut que je cours pour me lever. Bizarre. Change ta manette. Attends, je vais le débrancher et rebrancher. Je pense pas qu'il puisse nous atteindre. Ok. Fais bien attention. Non, ça marche pas. Voilà ce qu'on fera quand on aura fini. Quoi? Tu pourrais m'apprendre à nager? Ouais, ça marche. Les gars, à votre avis, est-ce que le devant c'est ouvert? Pour que je rentre avec la nage, genre? Non, c'est fermé. Putain, j'arrive pas à me baisser. Et peut-être faut que je recharge la partie? Ah bah ouais, je peux plus. Bah ouais, je peux plus. Je peux plus rentrer dans l'eau. Non, attends. Parfait. Ah là, tu vois, là ça marche. Ok, c'était un bug, c'était un bug. Ok, là du coup, comment je fais pour aller là? Peut-être que si je soulève Ellie pour qu'elle monte ici, genre. Ah non, c'est trop haut. On peut pas attendre ça. Des poissons carrément. Qu'est-ce qu'ils mangent ici? Ah merde. Ok, c'est en dessous, c'est en dessous. Ok, ok. Ouais, ouais, parfait. Ouais, merci. Ouais, ouais, nickel, nickel. Je suis de l'autre côté. Cool. Fais-moi descendre l'échelle. Ok, attends. Allô, allô. Ok, reste bien sur le côté. C'est moins profond par là. Ouais. Et comment elle va venir vers moi là? Ah, dégueulasse de se mouiller comme ça, vraiment. Allez. Les gars, cet endroit est un petit peu flippant, j'ai l'impression. Ok. Vas-y. Va ouvrir la porte. Attention ! Ça va ? Ouais. Heureusement, j'avais ce flingue. J'ai juste foutu les boules. Heureusement, j'avais ce flingue. Vivement que ces saletés disparaissent.
C'est ici pour le surin, ok. Mais quel surin? De quoi tu parles? Pourquoi tu me parles de surin? J'imagine que cet emplacement fera l'affaire. Ah, une porte à clé serein. Ok, attends. Gaffe à ta tête. Et voilà. Magnifique. Let's go, let's go. Ok, parfait. J'ai tout ce qu'il faut. Arrête, arrête, arrête. Wesh, wesh, allô. Ok. Parfait. Vas-y, on se casse. Ah, est-ce que vous me conseillez d'améliorer un truc ou pas, les gars? Au moins un truc. Voyons ce qu'on a là. Lance-flamme ou pas? Allez, lance-flamme. Et les gars, hey, il nous manque encore deux poches vides hein, dans le truc là. Dans le truc en cuir. Regardez, il y a encore deux poches vides. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a encore deux améliorations secrètes, genre. Les lunettes, ouais. Capacité, cadence, vitesse, cadence, cadence de tir, vitesse, vitesse. Capacité de l'arme. En vrai, c'est mieux d'avoir capacité de l'arme. Ou dispersion peut-être. Vous me conseillez dispersion ou capacité les gars? Balèze. Ça tiendra. Vas-y, on se tire. Ah ouais.
Là-bas, c'est trop profond, les gars. Comment je vais aller là-bas? La tête qui se détache. Surtout qu'en plus, ils nagent avec des bottes, des cartables, des armes, des leurs chemises, leurs pantalons. Normalement, ils doivent couler, tu vois, avec. Ils doivent être grave lents, genre. En vrai, ils auraient okay. Putain. En fait, ici, là, tu vois cette zone. Moi, à mon avis, je l'aurais appris à nager ici, genre. Ok, c'est bon. J'y suis. Fais attention. Voilà, c'est bon. Arrête, t'es bloqué, arrête. Voilà, parfait. Ah ok, pardon. Je pensais que t'allais ramener une planche ou quoi, mais vas-y, c'est pas grave. Nager, ouais, après nager, elle a jamais appris. Mais bon, au moins elle pouvait. Cette saleté d'échelle s'est décrochée du mur. Et maintenant? Je vais trouver autre chose. La flemme, faut que je repars nager là, sérieux? Non. Trop tard, mon vieux. Tu montes à l'échelle. Les frères, c'était juste pour vous montrer, les gars, un tuto. Comment se compliquer la vie. Mais j'ai fait exprès, hein. Commencez pas à croire que j'ai fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Vous savez pourquoi j'ai pas fait exprès, bande de chiens? Parce qu'on peut pas descendre avec. Regardez, regardez, regardez. C'est pas une échelle. Les frères, là c'est encore un tuto pour savoir juste pour si genre si genre
Ouais, j'ai fait exprès hein, tout ça. C'est, tu sais... Je voulais voir s'il manquait des trucs à vérifier et tout, genre. Je voulais voir. Parce que tu sais, dans le jeu, des fois, il faut bien... Des fois, il faut bien fouiller dans le jeu, des fois. C'est pour ça. Sinon, je l'aurais fait, les gars. Genre, je serais monté... Oh non... Tu me laisses passer devant, et tu ne me lâches pas. Ok, je te suis. Mais hey, tu sais pas sauter ça, frère. Allez, ça va se casser. Allez, ça se casse. Tu vas me rattraper ? Je suis là. Quoi ? J'ai même pas besoin de moi. Je suis encore de ce truc. Baisse ta mère, mais c'est quoi ces poteaux de merde? Oh la dinguerie! Oh, j'ai même mis un coup à moi là! Elle est morte d'un coup, genre. On va l'embrasser? On va l'embrasser ou pas? C'est vrai, il faut la sauver, il faut l'embrasser. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Les mains en l'air! Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air! Bon, on l'a pas embrassé. Qu'est-ce qui se passe? Marlène! Bienvenue chez les Lucioles. Désolée pour eux. Ils te connaissaient pas. Et Ellie? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir, s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi? Quelle opération? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin.
un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, oh là là. Tu vas me conduire. Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Ouais, tu continues à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Ne gaspille pas cette chance, Joël. Debout. J'ai dit debout. Allez, avance. Avance, j'ai dit. T'as intérêt à m'obéir. De quel côté? Il prépare un de ses plans dans sa tête. Ou avance. J'ai dit avance. Où est la salle d'opération? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où elle est? Où? Tout. Il a plus de... Le passeur, il est là! Il y a encore trop d'hommes, j'imagine, dans l'étage. Faut que je prends mon temps. Faut pas que je me presse. Il y a encore trop d'hommes, je pense. Il a
Cherche encore. J'aime pas ça. Ah, baisse, 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 baisse. Allez, choisis. Ta mère la pute, ta mère la pute. Arrête. Avant de continuer, les gars, j'aimerais bien fouiller. Utilise de la R. C'est quoi la R? Ah! Ah ouais? Il doit grave pas être pratique celle-là. Hein. Bah, je crois que c'est fini, hein. Il y avait que ça comme fouillage. Vas-y, hein. Attends. Est-ce que lui. Est-ce que j'avais fouillé ou pas? Ouais, est-ce que j'avais fouillé, attends. Ouais, est-ce que j'avais fouillé.
J'ai pas de mode rafale là. Qu'est-ce qui se passe par là? Ah ouais, il se passe quoi? Tête de bite, tu rentres comme un clochard là. Dernier étage, il avait dit. Faut que je monte à l'étage. Putain, la dinguerie. C'est bon? Ok, parfait. Oh, merde. Là. Le recul, ouais, il y a un recul de ouf, ouais. Les gars, je vous avoue, les gars, pour l'escalier, je préfère prendre le fusil à pompe. Il est 17h30 et on est le 28 avril. Je viens de finir de parler... Non, de hurler sur notre chirurgien en chef. Apparemment, il... Mais pourquoi... Ah... J'imagine que c'est important à lire, hein. Mais bon. Baisez vos mères, c'est trop dur à viser la manette, sérieux. Ouais.
Coucou beau gosse. Coucou toi. Les gars, c'est trop une dinguerie, les gars. De fou, mais bon, frérot, c'est dur quand même. Vas-y, on y va, on avance. J'avoue, c'est trop grand, t'as trop envie de fouiller, genre. Mais vu que c'est la fin du jeu, du coup, en vrai, c'est pas la peine de fouiller. Allez, c'est parti. Dommage, je peux pas tirer à travers. Putain de merde. Docteur ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend, pensez aux vies qu'on va sauver. Dégage, fils de pute, avant que je te boule ta mère. Ne vous approchez pas. Attention. Triangle ? Vas-y, mort originelle. Vas-y. Non ! Espèce de mort ! Carrie, tu vas la fermer. Pitié, je veux pas mourir. Tu veux pas mourir ? C'est trop une dinguerie de faire ça. Allo, allo, allo! J'ai rien fait! Je te tiens. Couvrez les sorties, je te tiens. Allez. Je ne sais pas où. Je ne peux pas t'échapper. Fais le tour par le côté! Je suis invisible ou. Ah mais ils peuvent au moins tirer sur ma tête, tu vois, genre. C'est quoi ça, frère? C'est compliqué, j'imagine, mais bon. Allez. Tu ne peux pas la sauver. Tu la fais sortir et après. Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant. Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien. Thank you.
quoi ce truc? Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Oh, le menteur. Des gens immunisés. Il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. On part chez Tommy, du coup. Je suis désolé. Attends. Ne me tue pas. Pitié. Waouh. Tu chercherais à la retrouver. Waouh, t'as regardé les musiques qu'ils mettent à la fin. Putain, c'est incroyable. Ok. On dirait qu'on va devoir marcher. Ah, on joue Ellie. On devrait être direct par là. Ouais. C'est plutôt joli, non? Ouais. Attention à ta tête en passant. Là, c'est bon. Putain. Là, je sens que je suis plus tout jeune. Comment ça, frère? T'as Je crois que je te l'ai jamais dit, mais... Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse. J'étais souvent en train. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendus, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimé. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord. Oh. Regarde en bas. On est presque arrivés. On n'est plus très loin. Attends. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Wesh. Ma meilleure amie était là. Mais pourquoi elle dit ça maintenant? Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors... Elle m'a dit... On n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie... Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam... Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Ah. Quoi qu'il arrive,
Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. C'est pour écoute, le DLC, c'est pour le DLC qu'ils ont fait ça. Mais jure-le-moi. Du coup, le DLC, c'est... Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Reste plus qu'à faire le DLC, les gars. Avis sur 10, franchement, un 9,5. 9,5 sur 10, frérot. Carrément. Carrément, je pourrais même dire 10 sur 10 en vrai de vrai. 10 sur 10, le jeu, les gars. C'est incroyable, frère. Le jeu est incroyable. Tu peux pas faire genre, ouais, je sais pas quoi. Non, le jeu est vraiment incroyable, les gars. Putain. Vous me proposez aussi le DLC du coup, les gars, en vrai de vrai. Hein. C'est conseillé de le faire. Le jeu est parfait. Non, franchement, le jeu est incroyable. Le jeu est magnifique, les gars. Les musiques sont magnifiques, les fights sont magnifiques, les guns, les morts, les ragdolls, les persos, la beauté, les graphismes. Tout, frère. L'histoire et tout. Tout est bien. Je l'ai pas fait perso. Vous me conseillez de le faire ou pas, en vrai de vrai? The Last of Us 2 est meilleur que The Last of Us 1. T'es pas prêt pour le 2. Putain, le 2, j'aurais bien aimé l'avoir sur PC aussi. Tu vas faire le 2 après. Bah, pas maintenant, Haru. D'abord, là, on a terminé, les gars. J'ai pas envie d'enchaîner directement avec The Last of Us, je vous avoue. J'ai envie d'enchaîner un peu avec un jeu qui est cool, qui va vite, qui est rapide, tout ça. Du coup, on va faire Spider-Man 2. Et après Spider-Man 2, les gars, on ira sur The Last of Us 2. Et après ça on verra, mais il y a moyen on fait Hogwarts Legacy ou sinon on va sur Ghost of Tsushima, à voir. Pour le DLC, mais vite fait sur YouTube, mais tu peux le skip en vrai. A votre avis, en combien de streams je termine le DLC, les gars? Ça dure combien de temps? Ça dure 8h? 10h? Un stream? Oh, ok. Demain je suis pas là, de toute façon, demain je pars à Paname. On fera ça lundi ou mardi. Après on lance Speedrunman. Bon, les gars, on est d'accord, là y'a plus rien à faire là dans le jeu. Retour au menu principal. Fais-le maintenant. Bah là. Bah là. Game of Thrones. Sly Cooper, les gars. God of War. Tsushima, ça? C'est Ghost of Tsushima? Il est où le meilleur truc? Shadow of Colossus, les gars, il est le meilleur truc, les gars? Ratchet & Clank. Oh, Infamous Second Son. Horizon Zero Dawn. Gran Turismo. Ah, le jeu gratuit de merde là, je sais pas c'est quoi ça. Wesh. Non. Les gars, y'a pas Jack and Dexter, les gars, y'a pas. Ah, c'est dans le 2 Death Stranding. Non. Pourquoi? Wouah, c'est trop stylé. Ouah, bon, après les armes, on les voit très peu, donc en vrai... Bon, lui, il est gaze, hein. Ah non, il est gaze.
10 LP. Celle-là, elle est mieux, celle-là. Ouais, bon, ok. Récap, les coulisses. Modificateur de jeu. Ralenti. Réduit la vitesse du jeu 50% en l'activant. Maintenez espace pour déverrouiller ce mode. Ralenti. Mode bullet time. Réduit la vitesse du jeu à 25% en visant. En visant. Oh les bâtards. Confection infinie. Dans le mille. Tous les armes à feu tuent un seul coup. Why? Activer infini pour le mode écoute. Durabilité infinie des armes. Flèche explosive. Audio. Faites basculer horizontal et le rendu au monde à chaque fois quand vous mourrez. Quoi? C'est quoi ça les gars? Faire basculer à l'horizontale le rendu du monde. Pourquoi? C'est quoi ça les gars? Mode miroir. Monde miroir. C'est quoi ça? Comment il s'appelle? Doctor Strange. Aucune idée, ça j'ai jamais compris. Ouais. Image conceptuelle. L'évolution. Jusqu'au claqueur. Le champignon, il pousse vraiment. Oh ah. Wesh. On n'a jamais eu ça. Même ça, on n'a jamais eu. Après, c'est des concept art, du coup. Ça a été annulé, genre. Même ça. Ils sont bien plus flippants. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces monstres? Différentes tenues. Ouais, bon. BD. C'est tous les livres qu'on devait ramasser. Du coup, il y a un lore dessus. Est-ce qu'on pouvait les lire? Wesh. C'est Thanos là, carrément. Bon. Les gars, merci beaucoup la rediff. Au revoir la rediff. Bonne nuit la rediff.